les gens d'affaires appuient cette organisation qui représente fièrement notre ville et notre région, et ce, à travers le Québec, voire même le Canada. Et d'ici la fin de l'année 2012, les TIC seront connus mondialement grâce au défi mondial des moins de 17 ans qui se tiendra dans la région centre du Québec. Les TIC de Victoriaville génèrent d'importantes retombées économiques directes et indirectes pour notre économie locale, en plus d'offrir aux amateurs de hockey un spectacle enivrant. Mesdames et messieurs, accueillons nos tigres! Bienvenue dans la maison des tigres. Vous êtes dans notre place, sur notre glace. L'hôtel où viennent se sacrifier phoques, orignaux, chiens, sauts sauvages qui viennent en autobus s'adonner au hockey, repartent griffés mais inspirés. Le pire est passé, se disent-ils, car demain nous jouons à Drummondville. C'est encerclé dans leur calendrier quand c'est nous qui allons chasser. Au lac Saint-Jean, ayant perdu leur accent, on les entend trembler. Les cataractes nous voient pas venir, les foreurs ont la mine à terre. Et puis nous autres, les deux points, on les empile, parce qu'en revenant, on passe toujours par Drummondville. Notre saison régulière était plus extraordinaire que régulière. Quand l'adversaire s'en venait dans notre colosse colisé aux fans loquaces, notre panthéon de la performance, c'est pas de la poutine qu'on le servait. On les a d'abord lavés, coupés en petits morceaux, ramassés à petites cuillères et blanchis. C'est une autre recette de chez nous. Une raclée de main morte avec pas de farce au bleu de queneuil. Ça goûte le robeur puis ça se mange avec une bande. On avait de l'hospitalité. On leur a tricoté une attache tatuque en ligne bleue, une maille à partir à la fois. Et pendant une game ici, on se croyait au Centre Bell, sauf que nous autres, on gagnait. On était en mode mission accomplie, gonflé de blocs de béton, armé jusqu'au poudre à canon, agressif, offensif. On va être des tueurs en série, armés de fusils, d'épaules à la roue, Bécomo à le vent dans le dos, m'a te mettre en échec, m'a te mettre le point, c'est ici que ça finit, à l'attaque, black. Plus de munitions. Punition! Wow, minute pour avoir porté les espoirs au-dessus de la limite permise. Comme un coup de genou d'un quatre parties. Quatre coups de foudre à la même place. C'est à la rencontre de tous les astres, mais pas à bonne place. Pas au bon moment, ça fait chier en sacrement. On a pêché dans les filets de Bécomo. Le drapeau d'Éric était en berne. Faut croire que c'est à ça que ça sert les séries éliminatoires. Petit minou graffinier, on s'est regardé dans le miroir, au milieu de l'arrosoir, dans le petit point noir, il y avait le même regard qu'au début de l'année, les mêmes faces de chat fâché, mais quelque chose de nouveau, les crocs ont cru au goût du cru, l'écume coule, le cran crimpu, la faim fait foncer le félin, il reprend son mordant, on se sent un peu comme un râteau qui gît à terre, atterré, abasourdi, mais le prochain qui nous pile ses pieds va nous avoir d'en face. La prochaine équipe qui pense qu'il peut nous surprendre, ce qu'elle va voir, va l'aveugler, parce que c'est pas une équipe de hockey qu'on s'est montée. C'est un projet de communauté. C'est une vitrine d'autobus avec vue sur le Québec. Une façon d'aller se faire voir ailleurs, de laisser notre griffe partout. Le hockey, c'est une façon de montrer que Victoriaville, c'est plus juste un bâton de hockey, c'est l'esprit du corps au grand complet. Ça se passe dans tête du classement, on est victorieux, on est tous des victorieux. Quand on dit à nos ticus, lâche pas, va jusqu'au but, on peut plus se mettre la tête dans l'autruche. Faut faire comme dans la ruche. Pour avoir du miel, tu travailles comme une abeille. On vient victorieux. On est tous des victorieux. Les tigres, c'est le crémage de notre image. Le meilleur compteur, la recrue devant les buts. Deux super bons goalers. Les fans qui crient, le parking qui se remplit. Mesdames et messieurs, le but de l'organisation des tigres de Victoriaville. Son seul de la saison. Comptez!
par l'esprit d'engagement, avec l'aide de ses partenaires et de ses fans qui savent que c'est d'être victorieux dans l'homme qui compte. Yeah! Pierre-Luc. Pierre-Luc Aud, mesdames et messieurs. Pierre-Luc Aud. Merci beaucoup. Bravo.